C'est fini pour la Coupe d'Afrique des Nations ici à Nouakchott. La Coupe d'Afrique des Nations I20, une organisation majestueuse. Les Mauritaniens, c'est la première fois d'organiser une compétition internationale. Ils étaient au rendez-vous. C'était une organisation magnifique, millimétrée. La Mauritanie n'a pas été champion d'Afrique sur le terrain, mais en termes d'organisation, en termes de savoir-faire, en termes d'éducation sportive, la Mauritanie a remporté un trophée ce soir. On vient d'assister à la victoire des Black Stars du Ghana qui se sont imposés 2-0 contre le crâne de l'Ouganda. On a eu une compétition tout simplement huilée où les équipes ont joué au football. On a eu peu de 0-0 dans cette compétition et là c'est magnifique. La Mauritanie est au centre du football mondial aujourd'hui. Là aujourd'hui il y a 4 candidats aux élections pour la Confédération africaine de football qui sont là. Le président de la FIFA est là. 23 présidents de fédération africaine de football sont là aujourd'hui en Mauritanie. Il y a la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais regardez le rétroviseur, le mauritanien. Il y a 5 ans de cela, il y a 10 ans de cela, le football mauritanien n'existait pas. Maintenant, la Mauritanie existe sur la carte du football mondial. Merci.